Bonjour, c'est Solidaire d'abord. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du rassemblement qu'il y a eu le 28-11 à l'Agora à Aubenas, hein, où il y avait 400 personnes et 2000 à Valence l'après-midi, contre la loi sécurité globale et les violences de certains policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Il y aura une manif samedi prochain, le 5-12, à l'Agora, toujours à Aubenas, hein, à 11h, et à Valence l'après-midi, l'heure n'est pas encore fixée. Quand on entend parler Nouveau Monde et que l'on se demande ce qui est nouveau dans la violence dont j'ai parlé, ou de nouveau dans le démantèlement des services publics, en général et particulièrement pour la santé, et ce, malgré les annonces gouvernementales, quand on voit que la crise Covid avantage beaucoup certains et en détruit d'autres, quand on ne sait plus où est la mesure entre le compromis et la compromission, quand on s'interroge sur la confiance aux autorités pour assurer l'intérêt général, et quand on met en doute la pensée unique dont ils se servent pour assurer leur bon sens, leur bon droit, nous aurons aujourd'hui deux séquences. Une avec Benoît et Denis, sur l'évolution des aides aux chômeurs et intermittents. Et d'autre part, une rencontre avec Véronique Louis, qui se désole du démantèlement de la structure pays, qui plus loin que les étiquettes se voulait au service de l'intérêt général et du développement du territoire. Tiens, c'était l'ancien monde ou le nouveau? Ça avait commencé en 98, ça. Bon, alors tout ça, ce sera mis en place grâce à des StreamYard. Alors, des fois, la technique est pas tout à fait là. On a fait ce que l'on a pu, au mieux, bien sûr. Bonjour, bonjour à vous deux. Alors, aujourd'hui... pour Fréquence 7, on fait cette interview un peu spéciale sur un StreamYard où on va discuter déjà du chômage, avec le fait que pour les chômeurs, ça risque d'être grave, surtout cette crise du Covid là qui est présente. Et en plus, le gouvernement en profite pour nous passer des réformes. Mais on a vu que le Conseil d'État en a retoqué certaines. Enfin, voilà. Mais Denis, tu sauras ça mieux que moi et tu pourras le développer mieux que moi. Alors, Denis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Ben voilà, le 12 novembre 2020, là, le gouvernement a remis sur la table la réforme des négociations pour le chômage qu'il avait déjà entamée, qui a été remise déjà trois fois. Ça devait passer déjà au mois de septembre, puis ça a été repoussé au mois de décembre, puis maintenant c'est pour le mois d'avril, pour le 1er avril, c'est comme poisson d'avril. Donc ça va concerner les chômeurs, tous les chômeurs, il n'y a pas de restriction, c'est tous les chômeurs qui vont être concernés. Il y a 400 000 chômeurs qui vont voir leur indemnité baisser à peu près de 40%, ce qui est énorme, et ça va concerner, les autres chômeurs seront concernés aussi, il y a à peu près 5 600 000 chômeurs. Ça fait pas avant le Covid, évidemment. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Donc, c'est impressionnant. Et il n'y a que 200 000 postes à pourvoir. Donc, on est chômeur pas par volonté, on est chômeur par manque d'emploi. C'est pas tous ceux qui dénigrent les chômeurs parce que c'est des feignants. C'est des menteurs. Hein. C'est du gouvernement tout craché de dire que les chômeurs, c'est des feignants, traverser la route et trouver du boulot, changer de trottoir. C'est du pipeau, c'est la communication, mais ça s'arrête là. Et il y a 1,2 million. Pardon. Surtout maintenant, pour traverser la route, il faut mettre un masque quand même. Oui. Oui. Et il y a 1,2 million de personnes qui auront une perte de revenus sur les chômeurs d'entrée. Et il y a 800 000 chômeurs qui vont avoir une baisse de 25% de leurs revenus, de leur indemnité chômage. Donc, c'est tous ces chômeurs, ça va être que des précaires. Donc, ça se voit déjà. Hein. Le Secours catholique déjà a dit qu'il avait 50% de plus de personnes qui venaient chercher
des colis pour alimentaires. Donc c'est pas fini parce qu'ils annoncent bien que le plus fort du chômage va être en 2021. Ça interroge évidemment, puisque donc quand tu parles du Secours catholique, on entend bien que c'est plus la République qui assure pour normalement ce qui est sa mission, c'est-à-dire quand même on est dans un état normalement où on va avoir cette solidarité qui pour le chômage, c'est de la solidarité, c'est pas de la charité. Et là, maintenant, c'est le Secours catholique qui va être obligé de s'occuper des pauvres. Hein, on est dans un retour en arrière sur une société médiévale, avec le Seigneur, ça interroge quand même. Oui, mais le Secours catholique, c'est qu'une partie, hein, parce qu'il y a le Resto du Cœur, il y a plein d'organismes qui font charité. Ah oui, mais à la limite, ça, moi, je rappellerais ça, tous ceux qui font des dons, c'est des dons alimentaires, hein. Pas en argent, parce qu'en argent, on peut défiscaliser. Mais tous ceux qui font des dons alimentaires, c'est un impôt volontaire. Hein. C'est les gens, c'est un prélèvement sur leurs revenus volontaire par solidarité par rapport aux autres. Il y a encore un peu de solidarité en France. Maintenant le Conseil d'État a été saisi et il y a deux dispositions qui étaient contestées, qui vont être annulées, on va dire. Remis en question parce que ils ont jugé ça que c'était pas légal par rapport à il n'y avait pas une égalité entre les citoyens. Donc quand même il y a à un moment donné d'autres rouages dans l'État qui fonctionnent que seulement l'AREM tel que avec son diktat. On peut à un moment donné penser que il y a quand même encore des contre-pouvoirs dans ce pouvoir qui petit à petit devient de plus en plus, non pas dictatorial peut-être, mais en tout cas sacrément énergique. Hein. Je ne sais pas quel mot on peut employer exactement. Enfin, vous voyez de quoi je veux autoritaire. Parler. Autoritaire. Voilà. Autoritaire. Je te laisse le dire. Non, mais heureusement qu'il y a le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel pour mettre un peu les pendules à l'heure, parce que sinon, ça irait une dérive pas croyable. Pas croyable. Donc, tous ces chômeurs qui vont être impactés par leur baisse de revenus, les commerçants, par la suite, eux aussi vont être impactés parce que ce chômeur, ils consomment local, ils vont pas traverser la planète pour leurs vacances de Noël ou leurs grandes vacances, ils vont pas voir Big Ben ou la Tour Eiffel ou ils restent chez eux, bien contents encore d'arriver à trouver pour leur subsistance. Donc, ces gens-là vont rester chez eux et ils consomment localement. Donc, la répercussion de ces baisses de revenus des chômeurs, va se répercuter sur toute l'économie. Alors, va entraîner. Justement, on s'interroge de plus en plus sur où va cette économie. Hein. C'est vrai que apparemment, les gens qui vont le plus payer cette crise, entre autres, ça va être évidemment la santé, puisqu'on voit que pour la santé, il n'y a toujours rien de débloqué. Et donc, c'est eux qui courent après, malgré le fait qu'ils sont mal payés. C'est l'éducation, mais c'est aussi la culture. Alors là, je me tourne vers toi, Benoît. Les intermittents, la culture, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens qui sont inscrits dans la culture ont le moyen de survivre correctement? Oui, alors déjà, avant de parler culture, je voudrais redire ce que tout le monde ne sait pas bien, c'est qu'un chômeur sur deux ne touche rien, n'est pas indemnisé, quel que soit son statut. Hein. Aujourd'hui, la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés, c'est-à-dire qu'ils ne touchent rien, éventuellement un RSA, mais c'est tout. Donc ça, c'est quand même important. La deuxième chose importante, c'est que vu qu'un sur deux ne touche rien ou n'est susceptible de n'ouvrir aucun droit, ça veut dire que beaucoup ne s'inscrivent même plus. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à évaluer, mais on sait comme assez important et de plus en plus important les gens qui ne s'inscrivent même plus sur les listes de demandeurs d'emploi. Ça, c'est un aspect qui est important. De fait, les chiffres du chômage sont de fait sous-estimé. Le troisième aspect qui est sur lequel on n'insiste pas, c'est une évolution de la structure du chômage aujourd'hui en France, qui n'est pas nouvelle, hein, ça fait déjà près de 20 d'années que ça se produit, c'est que l'emploi ayant changé, c'est-à-dire comme il y a de moins en moins d'emplois permanents, il y a de plus en plus de CDD aujourd'hui,
près de 90% des contrats qui sont signés sont des contrats à durée déterminée. Donc, ce ne sont plus des emplois permanents, ce ne sont plus des emplois une durée sur laquelle on peut s'organiser sur le plan de la vie. Ce sont donc des précaires, ce qui fait que aujourd'hui, le chômage, il suit cette même tendance, c'est-à-dire que les gens ne sont plus chômeurs à temps plein. On enchaîne les contrats courts. Donc, on va avoir énormément de gens qui vont être, y compris ceux qui sont inscrits, bien entendu, sur la liste du chômage, qui vont être saisonniers, ils vont être ils vont avoir enchaîné des petits contrats à durée déterminée en espérant qu'entre ces contrats, ils vont essayer de toucher. Pour certains, en tout cas, ils vont essayer de toucher trois ronds de la part de l'assurance chômage. Ce qui est d'ailleurs pas évident, puisqu'on sait de toute façon que l'on n'aura pas suffisamment travaillé ou suffisamment cotisé pour ouvrir ses droits. Alors ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut redire et redire, parce qu'aujourd'hui, dire que les chômeurs sont des fainéants, c'est-à-dire que c'est quand même lamentable. Aujourd'hui, les chômeurs sont des gens qui sont, qui subissent, en fait, quelque chose qu'ils n'ont pour la plupart. Là-dedans, après, l'intermittence, c'est un assez, on va dire, un cas un peu particulier, bien que c'est finalement, c'est complètement cohérent avec tout ça. L'intermittence, ce n'est pas un statut, c'est un régime d'indemnisation spécifique qui est ancien, hein, qui date de déjà même avant la guerre. Il y a eu quelque chose qui ressemblait déjà à un prémisse, qui s'est un peu structuré après à la Deuxième Guerre mondiale. Ça a arrangé tout le monde, finalement, y compris les employeurs, parce que il fallait évidemment embaucher des gens au projet, hein, donc au film ou au spectacle. Donc la nature de l'emploi intermittent était acceptée, et de toute façon ne concernait qu'une petite une petite aristocratie de gens de cinéma, une poignée de gens, hein, qui est très souvent issue de la bourgeoisie, hein, faut le dire, qui finalement s'accordait très bien de ça, et qui, enfin, surtout le patronat du secteur. Et par la suite, on s'est rendu compte que ce régime d'indemnisation, ben, il servait d'exemple. Et c'est comme ça que s'est produit, en fait, ces conflits importants des années 2000, 2003, pour le dernier, hein, si ma mémoire est bonne, c'est qu'en fait, le patronat, mais dans son ensemble, hein, non pas le patronat du secteur d'ailleurs, hein, mais le patronat des régimes généraux, a voulu mettre bas le régime parce que finalement donner un exemple à ne pas suivre. Donc ça, c'est un peu l'histoire de l'historique du truc. Aujourd'hui, ce n'est pas une année blanche, en fait, pour les intermittents. Il a été les droits ont été prorogés, c'est-à-dire ceux qui avaient l'âge ouvert sur cette année, enfin disons jusqu'au confinement, hein, ils ont pu les proroger donc jusqu'à août 21. Très bien. Mais évidemment, ça ne suffit pas, parce qu'aujourd'hui, la situation sanitaire est telle que le secteur de la culture est complètement à l'arrêt, ce qui veut dire que les intermittents ne peuvent pas produire de cachet, ne peuvent pas travailler. Or, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas cumuler les fameux 507 heures nécessaires pour renouveler ces droits, ce qui fait que, ils ne peuvent pas ouvrir les droits nécessaires pour que avoir accès à une indemnisation à partir du mois d'août 21. Donc le problème reste entier, et je pense qu'en août et septembre et automne 21, ça va être une catastrophe, ça va être une hécatombe. Les des mesures sérieuses ne sont pas prises pour proroger, en tout cas, la protection de ceux qui le sont, quoi. Je vous remercie tous les deux à la fois de votre expertise et ça n'est que partie remise pour parler de ces sujets-là, je pense. Hein. Merci, à bientôt. Bien sûr, quand on veut. Au revoir. Salut. Au revoir. Bonjour Véronique Louis. Aujourd'hui, on a le plaisir à Fréquence 7 de t'accueillir, ce qui est rare. Mais c'est quelque chose qui est pas forcément très réjouissant, puisque en fait tu viens nous parler de quelque chose qui te touche, il me semble, assez personnellement, et qui en même temps pour le territoire est peut-être sans doute quelque chose qui est une mauvaise annonce, hein. Tu nous parles de la fin du pays, ou en tout cas de tout ce qui est autour, le SCOT, le SIMPAM. Alors je te laisse
développer tout ça. Ben bonjour et puis merci de m'accueillir dans votre émission. Donc moi maintenant je n'ai plus de mandat électif, hein, j'ai décidé de prendre ma retraite d'élu, mais quand j'ai été informée qu'un certain nombre de choses se passaient et que ça avait signé la mort du pays d'Ardèche méridionale, compte tenu des responsabilités qui ont été les miennes à travers le temps, donc de conseiller régional et de représentant de la région au sein des instances du pays, j'ai pensé qu'il était nécessaire d'intervenir publiquement à ce sujet. Voilà. Et y compris au nom d'élus qui ont disparu aujourd'hui, comme Madeleine Joigny, qui a été la première présidente du pays et qui a fait un travail remarquable pour le territoire d'Ardèche méridionale. Alors tu as donc produit un article, mais est-ce que on pourrait aller un tout petit peu dans le détail? Donc ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que c'est le SIMPAM? Qu'est-ce que c'est le SCOT? Et pourquoi des élus de proximité ne jouent pas ce jeu-là et passent sur quelque chose d'autre qui est peut-être la communauté de communes? Je ne sais pas exactement si ça peut remplacer. Il me semble que ça va être difficile. Ben voilà. Alors, toutes ces questions-là. Effectivement, c'est un peu difficile à expliquer, je dirais, à tout le monde, parce que le pays n'est pas une collectivité territoriale. Les collectivités territoriales, c'est les communes, les communautés de communes, communautés d'agglomération, urbaines ou métropoles. Et c'est vrai que c'est un espace de projet, de concertation entre élus, et particulièrement en milieu rural, parce que, bien sûr, quand on connaît bien l'Ardèche méridionale, c'est une multitude de petites communes. Plus de 146 communes sur le SCOT et 176 sur la totalité du pays, puisqu'il y a la vallée du Rhône, et qui, si elles ne se réunissent pas, même en ce qu'on appelle en supra-intercommunalité, c'est-à-dire plusieurs communautés de communes ensemble, eh bien, il n'y a pas de levier financier suffisant pour mettre en œuvre des projets. Et puis, il faut le faire de manière concertée. C'est pas la peine de faire une pépinière d'entreprise dans chaque village, ça serait impossible à faire. C'est pas la peine de faire une crèche dans chaque village, ça serait pas possible de le faire. C'est pas possible de développer, par exemple, des espaces de coworking ou de soutenir les métiers d'art à la pépinière des métiers d'art de Chandolas dans chaque village. Donc, c'est un dispositif de projet en commun qui n'a pas de fiscalité propre, qui vit à travers des subventions. À la fois des communautés de communes et de la région, qui est le partenaire principal, et qui permet aux élus ensemble de regarder les points forts, les atouts de leur territoire, et en même temps de regarder les points faibles et de choisir ensemble, de mettre les forces ensemble pour faire ce développement. Et c'est à ça que moi, pendant 12 ans où j'ai été élue, j'ai participé à la mise en place de ces programmes d'action. Et en plus, ce qui était fort intéressant, moi, je trouve, aujourd'hui, on revendique beaucoup, et c'est naturel, la participation citoyenne, le pays avait ce qu'on appelle un conseil local de développement où siégeaient des citoyens. Ce qui fait que c'était en pleine transparence, les citoyens auraient pu dire « Oh là là, mais là, il se passe des choses qui ne vont pas du tout, qui sont malhonnêtes, etc. » Là, c'était en pleine transparence, sous le regard des élus de toute tendance, de tous les villes, enfin, je dirais de tous les secteurs de l'Ardèche méridionale et la présence de citoyens. Or, aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de vouloir mettre à mal, et en particulier ceux qui veulent mettre à mal ça, c'est la communauté de communes donc, du bassin d'Aubenas, donc, où pèse très très lourd Aubenas et Vals, et que par derrière ça, on imagine tout de suite, et vous avez bien compris, qu'il y a des questions politiques. Des questions politiques, donc en particulier de la droite, qui veut faire la peau donc, au pays pour pouvoir reprendre la main, et en particulier pour le SCOT. Alors le SCOT, c'est encore autre chose, mais ça, on va peut-être en parler un peu plus tard. Alors, c'est vrai que j'ai plein de questions qui me viennent et plein de commentaires qui me viennent au passage. Alors, quelque chose qui n'engage que moi déjà, c'est la mairie d'Aubenas a été élue avec, si j'ai bien compté, 30% de votants, c'est-à-dire en gros 14% des voix. Donc, c'est vrai qu'au niveau de justement l'implication qu'il peut y avoir des citoyens, il y a une question. Et en fait, ce qu'il me semble que tu mettais en avant justement, c'est que c'était plus loin que quelle que soit l'étiquette de l'élu.
on était vraiment là dans un projet de développement du territoire qui regroupait les citoyens comme tu viens de le marquer, mais aussi avant tout le territoire, avant tout comme un seul projet déjà unificateur, hein. Oui, c'était vraiment le territoire, mais c'est vrai que déjà à l'époque, les élus albanaciens et de Valls, bon, je pense à Jean-Claude Flory, voyaient d'un très mauvais œil que ce type de structure se mette en place, parce qu'effectivement, quelque part, on a écarté très vite, parce que je pense qu'il y avait des élus qui avaient bien compris que le développement sur un territoire d'Ardèche qui avait beaucoup de retard par rapport aux équipements collectifs, par rapport au développement économique, etc., avait bien compris que si on restait chacun dans nos chapelles, on ne s'en sortirait pas. Et que, bon, moi, j'ai plein de noms qui me viennent à l'esprit, y compris de gens qui ont disparu aujourd'hui. Je parlais de Madeleine Joigny, mais il y a aussi Jean-Marie Roux, qui a été député de l'UMP, etc. Il y a un certain nombre d'élus qui ont compris qu'il fallait aller au-delà de ça, tout en défendant dans les projets de territoire leurs valeurs. Et qu'à certains moments, ben, on a fait des compromis, et pas des compromissions, mais de voir ce qui était le mieux pour tous. Et c'est vrai que c'est quand même, sur l'espace d'une douzaine d'années, c'est 30 millions d'euros qui sont arrivés de la région sur ce territoire, et il y a plus de 2500 projets qui ont été financés. Mais, et de façon très, très différente. Alors, des projets de communes, de communautés de communes, mais aussi des projets privés, entre guillemets privés, c'est-à-dire d'associations, aussi d'entreprises, etc., qui rentraient dans l'esprit de comment on voulait développer ce territoire, qui ne devait pas être qu'un territoire de tourisme, mais un territoire où bon, on peut pouvoir y vivre correctement en ayant un travail, en ayant la possibilité de circuler, en ayant la possibilité de se former, de pouvoir aller au spectacle, de pouvoir soutenir. Et il y a beaucoup d'associations culturelles, par exemple, pour moi, c'est très important, qui ont été soutenues dans le cadre du pays. Et ça, en dehors des structures habituelles du tourisme, de l'économie, etc., bon, d'agriculture. Et puis, il y avait ce côté de préservation de l'environnement très tôt qui est apparu avec la fameuse loi Voynet des années 2000. Et que ça a été un précurseur de se poser des questions de développement avec l'idée de préserver l'écosystème. Et ça, c'est très important. Alors, évidemment, il y a une question qui vient aussi tout de suite derrière, c'est pourquoi les gens ne sont pas plus au courant du fait que ce pays était un lieu stratégique, quoi, en fait, où se décidaient beaucoup de choses pour le développement du territoire. Peut-être que, justement, tous ces employés, parce qu'il y a plusieurs employés, évidemment, qui travaillent pour le pays, qui sont des techniciens, qui sont des gens qui ont des compétences remarquables, hein, sur le développement du territoire, justement. Toutes ces compétences-là qui étaient amenées par le pays et par cet argent que tu disais qui était là pour permettre tous ces projets, quand un projet aboutissait, évidemment, le maire local ou l'élu local mettait peut-être en avant le pays, mais il se mettait aussi lui en avant, ce qui était normal. Hein, c'est-à-dire c'est moi qui ai fait ça. Mais c'était le pays qui le faisait. Ouais. Et bien sûr, mais comme encore aujourd'hui, quelque chose que beaucoup de gens fréquentent, ce sont les bistrots de pays. Bon, oui. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui se sont faites. Par exemple, moi, quand je suis arrivée, il y avait très, très peu de structures petite enfance, c'est-à-dire les crèches, les relais d'assistante maternelle. Et c'est le pays qui a permis, en allant chercher les subventions à la région, de créer toutes ces structures. Et ça permet aujourd'hui d'accueillir des jeunes ménages. Alors, je voudrais quand même dire un mot sur le SCOT. Alors, le SCOT, oui, c'est le schéma de cohérence territoriale, mais ça vient d'une succession de lois qui font qu'on s'est rendu compte au fil du temps qu'il y avait un développement anarchique qui consommait énormément de terres agricoles et de terres en espace naturel, et qu'il fallait planifier les choses et prendre en compte, comme je disais tout à l'heure, les atouts et les faiblesses du pays. Donc, c'est un schéma qui organise pour les 20-25 ans à venir les zones où on va habiter, où on va développer de l'économie, où on va développer des transports, on va développer des voies vertes, etc. et tout ça. Et donc, là encore, il faut le penser ensemble. Et les études ont montré que ne pouvait supporter l'Ardèche méridionale qu'un accroissement de population de 0,75% par an.
Et donc, ça fait à peu près un peu plus de 23 000 habitants sur cette longue période. Et donc, on répartit l'utilisation des sols en fonction de ce développement. Et là où ça a coincé très vite avec Aubenas, c'est qu'Aubenas voulait tout pour eux. Ils voulaient tout pour développer l'économie, ils voulaient tout pour développer l'habitat. Et ça voulait dire que dans cette répartition de l'occupation des sols, eh bien, ça voulait dire que plein de petites communes se seraient retrouvées avec aucune possibilité de développement. Et pendant tout le travail du SCOT, ils ont bloqué pour empêcher qu'il soit mis en œuvre avant la fin du mandat municipal, en espérant pouvoir renouveler en leur faveur les nouvelles structures du SIMPAM. Ils ont réussi partiellement, mais pas complètement pour le moment. Alors que les financements qui sont donnés à Aubenas comme tête de bassin, quelque part, sont des financements qui devraient permettre aussi, évidemment, de développer le territoire qui est autour, et pas seulement Aubenas. Absolument. Je l'ai résumé d'une façon très simple, tout pour nous, rien pour eux. Ils en ont, d'une certaine manière, avec du mépris pour ce qu'ils considèrent comme leur arrière-pays, comme si on était des arriérés. Moi, je leur ai dit plusieurs fois, Aubenas ne serait rien sans tout le bassin autour de lui. Voilà. Alors, une dernière petite chose, peut-être, si tu veux, Véronique, parce que le temps avance et on n'a pas plus le temps. Alors, en quelques mots, si tu as un dernier commentaire. Ben moi, je pense au personnel, parce qu'on a des gens qui sont extrêmement compétents, dont un certain nombre, alors qu'on est en pleine crise économique, vont se retrouver, parce que ça va aller très vite, ça se termine normalement le 23 janvier, donc vont se retrouver au chômage. Et puis, les autres qui sont des fonctionnaires territoriaux qui vont être mis à disposition du centre de gestion. Mais il faut savoir que ce sont les communautés de communes qui vont payer leur salaire alors qu'ils n'auront plus de travail. Et que dans l'avenir, on va retourner pour le développement, et bien, ça va être de nouveau le saupoudrage, le clientélisme politique. Et il n'y aura plus de dynamique pour faire cela. Et ça, bon, celui qui emporte la plus grosse responsabilité, c'est le président de la région, Wauquiez, qui a mis fin à ce dispositif et relayé évidemment aujourd'hui par les élus de droite du bassin, Aubenas-Vals. Voilà. Bon, merci. C'est beaucoup, un véritable gâchis financier parce que bon, le SCOT, ça a coûté plus d'un million d'euros et c'est des centaines de réunions et c'est un gâchis humain de compétences. Et puis, c'est un gâchis, je dirais, de travailler ensemble, d'être capable de s'élever pour penser effectivement, quand on est élu, non pas à son intérêt personnel ou politicard, mais à l'intérêt collectif. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Et de rien, avec plaisir, et je viens quand vous voulez, même si je suis retraitée maintenant, je viens parler de toutes ces questions-là qui sont passionnantes, et pour moi, ça aura été les plus belles années, le pays, les plus belles années de ma vie d'élu. Allez, ciao, ciao. Et je me permets un petit conseil, pas de confiance disproportionnée en n'importe quoi ou n'importe qui.